Salut tout le monde, bienvenue aux 2 minutes Quantum. Aujourd'hui, je vous parle de mes 3 variations favorites pour les ischio-jambiers. Bon, première chose, il faut savoir que l'ischio-jambier a deux fonctions. Faire de la flexion du genou et faire de l'extension de la hanche. Donc c'est important de travailler ces deux fonctions-là au niveau de vos exercices. Premier exercice, c'est simplement un lying leg curl fait de façon optimale. Donc, de façon optimale, je veux dire le bassin collé, les pieds droits et qu'on garde le mouvement pareil du début jusqu'à la fin. Donc, deuxième variation qu'on va aller travailler, ça va être le glute ham raise. Donc, c'est un excellent exercice qui est rarement fait dans le monde plus bodybuilding, fitness, on veut, mais c'est un excellent exercice pour développer les ischio-jambiers et les fessiers. Donc, en fait, c'est qu'il y a une flexion de genou et une extension de la hanche simultanément qui vont se créer durant cet exercice-là. Par contre, c'est super dur à faire juste avec le poids de corps, donc il faudra quand même une bonne force musculaire pour le faire. Et dernière variation, c'est le back extension à 45 degrés. Donc le truc avec ça, c'est de pousser les genoux le plus fort que tu peux dans le pad. Ça va activer tout ce qui est ischio-jambier et les fessiers. Et dans le fond, tu montes, tu prends une contraction de 1 à 2 secondes dans le top du mouvement. Donc sur ce, bon entraînement et bon succès.